salut à tous et à toutes, bonjour et bienvenue dans l'Unranked to Diamond. On est dans un épisode un petit peu particulier, vous l'avez vu, j'ai déjà fait de la duo avec Narcus, avec Lesh, c'était super bien passé. 100% de win en duo dans Ludo D. Et bah là, regardez, il y a qui avec moi, hein, bon, ils le connaissent tous, vous le reconnaissez bien évidemment, le grand, le majestueux Twix. Twix, comment ça va mon gars, putain? J'ai fait l'intro de John Cena. Ouais, j'ai vu, c'est chaud. Mais ouais. Moi je pouvais pas finir Ludo D sans passer par la case 4 défaites d'affilée en diamant 5. on parle pas de ça. Alors savais-tu la plupart des joueurs diamants, plus de 70% sont bloqués en diamant 5. Sérieux? Oui, et pas seulement en Europe. C'est la stade de Twix. Ça je savais pas. Donc comme quoi diamant 5 c'est la ligue la plus compliquée. Diamant 5 c'est la merde. OK. Bah tu vois, on a appris quelque chose, je pense que vous aussi, vous avez appris quelque chose. Et donc, je pense que voilà, l'émission ne se termine pas juste parce que je suis passé diamant, même si ça s'appelle Unranked to Diamond. Je pense qu'on va au moins passer cette fameuse diamant 5, et on arrêtera après, histoire de montrer que, bon, même si elle paraît compliquée, hein, quand on a le niveau, on la passe, bien évidemment. C'est attention mon cher Dogby, j'ai un transi level 2, si t'entends pas First Blood, c'est que ça s'est mal passé. Oh putain, ils ont un transi level 2, ça s'est mal passé. Oh le beau flash, oh, le beau flash. Le lane. Pas grand chose, hein. Je n'entends plus grand chose. T'inquiète, le Pacific Knight! Et c'est le first blood, ma couille! Est-ce qu'il va briller? Ah, il l'a dit! Alors! Incroyable! Unranked to Challenger, mon pote! Oh là, calme-toi, parce que faut assumer ce qu'on dit. Hein. Ok, c'est moi, je suis pas très chaud pour l'instant. Hein. Oh là, mais c'est chaud, mec, il arrive. Eh, ça, je crois que c'est l'une des. Faudrait checker les vidéos avec Narcus, avec Lej, mais je crois que t'es le seul duo qui arrive et qui fait first blood instant. Allez. T'as la stat, t'es le Michael Jordan de la duo cube. Eh bien sûr. Bah mais Nautilus. Nautilus. Et avec un support, bordel, putain, mais avec mec, un support, c'est le mec gars de tous les records en fait, Twixou. Et moi, mon record, c'est que je suis en train de mourir par Gromp. Voilà. C'est rigolo. Eh, je vais vraiment mourir par Gromp. Oh, Kalista, elle est encore béton. Non. Pas de panique. Celui-là. Allez, on va prendre l'item rouge. Une petite toile et je vais commencer à gank. Alors il y a plus de summoner botlane j'imagine. Il y a plus de flash sur Kali. Il y a sûrement un gank qui va venir sur ouais, la botlane. Ouais, je sais là. Mais je crois pas qu'elle soit au courant en fait. Bon, après c'est gérable un hein, Xin Zhao. Ça rage qu'une fois. Je lui ai dit de warder. Voilà, c'est bien. Donc tu m'as dit il y a plus de summoner sur Thresh, info sûre. Je vais essayer de grab Kalista là. Oh, OK. Xin Zhao top lane. S'il y a un kill botlane, on peut drake derrière. Ils vont me all-in. Je vais die. Ah fuck. Sorry. Attends, mais elle peut bait. J'ai fait le first blood et je suis mort aussi. bait. Oh ma caméra. Merde. Mais la souris sort de la télé. Ouais. C'est pas grave, tu le tues, lui, il a pas de flèche. Ouais, mais ah j'te... là, bien joué, Dogby. Ma souris, enfin, j'étais en alt-tab bizarre, tu vois. Ah ouais? Ouais, j'ai fait trop bizarre. Ah oui, je vois ce qui t'est arrivé, ouais. Et genre, j'arrivais plus à cliquer, enfin, je devais cliquer, mais sans partir sur un bord, tu vois. Ça, je pouvais plus coulisser la caméra, en fait. Ah, t'étais en lock chelou. Ouais, c'était trop bizarre. Elle a plus de heal, hein, tu m'as dit. Elle a plus de heal, non. Ouais, attendez le jump, et là, tranquille. Et en plus elle perd son flash. Mais voilà, c'est le talent. Oh, mais OMG! Mais c'est ça qu'on fait ici dans le Unranked to Diamond. J'espère qu'elle a réagi, tu l'as pas loupé, hein, sinon je t'insulte. Tiens, ça marche un Q-spell sur ça, non? Trop beau. Bon, allez, on prend les 5 gold. Eh, 10-0-4, on peut faire un petit dragon dessus. Tout de suite là? Je pense qu'elle va back ta Jinx. Hein. Je peux tanker. Hein. T'es chaud, mais je me dis. Ouais, non, il y a le. Je suis sûr que tu peux venir. Tu peux venir. Attends, laisse-le se faire niquer par le dragon. Tu sais comment il va réagir là, le monsieur? Oh lol! Oh putain, le dragon il me défonce! Vas-y, on continue, hein. Bien joué, passif. Va sur le Victor. Bien joué, ça. J'ai placé le Q, s'il flash, j'y vais. J'y vais, je slow. Je reviens. Je suis loin, je suis ah, c'est bon. On fait le Drake? Non, 40 secondes, smite. C'est bon. Nice job. On a tué Xin Zhao. Il a plus de flash. Tu times ou tu times pas? Est-ce que t'es. Voilà, est-ce que toi, t'es déjà timé? Ouais, j'ai timé Kalista déjà. Ah, il y a le time de Kalista. J'ai le time de Kalista. Xin Zhao, ça doit être 10-40, je pense. Ouais, ouais, c'est ça. On est dans les temps, je pense aussi. On aurait mis à peu près la même. Bien sûr que je t'aime. Donc pour l'instant, ça se passe bien. Hein. Lee Sin, ça doit être agressif. Je suis à 2-0-1, 6ème minute de jeu. Bon, après, j'avoue que le Twixu, il me facilite quand même bien la tâche.
Mais c'est pour ça que je l'ai pris en binôme. C'est là, alors je le dis souvent, alors oui, j'ai voulu faire la Enquête to Diamond, vous le savez, en solo, pour montrer que dans les conditions, tu vois, comme tout le monde, tu sais, pour pas dire oui, mais c'est parce que tu l'as fait en duo, etc. Donc j'ai quand même fait quelques petits duos parce qu'il faut que je me fasse un minimum plaisir sur l'émission. Mais comme quoi, tu vois, à chaque fois que j'ai fait de la duo, c'est simple et précis, tu vois. C'est... La duo, c'est bien quand elle est bien faite, tu vois. Ah oui. La duo, si vous êtes avec un bon mate, si vous connaissez bien, si vous êtes complémentaire, et bah, ça win. C'est ça simple. Win. Ça win. Donc, mais pas trop en faire non plus. Est-ce que toi, t'es plus duo ou solo ? Moi, je suis vraiment solo. Je préfère duo. Ok, parce que c'est meilleure ambiance, etc. Mais au niveau du grinding, je préfère être solo. Parce moi que aussi, c'est, solo, une question de, c'est une question de mérite, tu vois. Ouais, et on avait lancé un débat avec Lège. Est-ce que pour toi, c'était normal qu'il y ait la duo cube possible ? Non, c'est complètement de balance. Évidemment. Voilà, on est d'accord. Bien sûr, c'est complètement de balance. Clairement. Non, mais sur ça, on est, franchement, je pense. T'as une file solo et les mecs peuvent tag à deux. Voilà. Non ! Tu fais pas ça. Tu triches. Non mais c'est clair. Je suis vraiment totalement d'accord. Si tu joues à FPS et tout, mais et là, l'autre il a un mec qui lui fait ses rechargements, etc. Enfin je sais pas. Enfin c'est. Non c'est complètement une balance. C'est clair. Allez le gank middle lane, attention. Le leasing de la case. Je vais peut-être me faire one shot moi. Voilà, c'est tranquille. Elle a mis un peu de temps à se dire qu'il y avait un truc à faire. Mais moi j'ai mis full dégâts, je pouvais pas faire plus. Je crois qu'il y a un respawn de bleu là. Si je suis dans mes timings. Donc si je suis dans mes timings, voilà, j'y suis. Je suis pas loin pour ta cible. Tu dois, voilà. Ouais, genre j'ai besoin de. Je te surveille, y a pas de problème. Une surveillance très rapprochée. Non, tu n'auras pas su. On peut dive aussi. Hein. J'ai flash, ignite, j'ai tout ce qu'il faut. Et on a une grosse wave qui a stack. Ok. Et c'est Wardell là à l'instant. Ouais. Je peux faire tout le contour. Tu veux dive ? Vas-y, sur Kalisto. Kalisto ? Ah non, j'ai pas eu. J'ai vas-y, j'ai pas, hein. Moi je crit pas. C'est bon, elle est deny là. Elle perd. Vas-y, oh, tu veux pas rebloquer ? Tigo, hein. Alors, peut-être pas Kalista, quoique si tu la bloques. Vas-y. J'ai toujours l'ulti, hein. Meurtre en série. Oh, c'est propre. Toujours mon ulti, mais bon, là je. Oh, okay. Baby ! On peut continuer. J'ai un ulti. Ah putain, je touche pas le Q, je suis une merde. Clairement une merde, putain! Je paye j'ai pas un, de vie! J'ai un ulti, il va passer ici, je pense. Ouais, je wesh. Ah, fuck, ouais, c'est chaud. Loin. Il a plus la on tempête. Peut drake, hein. On peut drake. Ouais, on peut drake instant. On a les heals de Nidalee. Je suis un spammer intensif. Ouais, ça marche pas. Un pinger intensif. Et je pense que c'est la seule moyen de vraiment se faire respecter en solo queue. Et vu que le score que j'ai dans la game, je sais pas si toi aussi ça marche comme ça dans tes games, mais t'inspires confiance. Ouais. T'as ton Lee Sin, il a 3-0-3, il fait un cold drake, tu suis. Tu dis le mec est un bon smiter. Et ça tombe bien parce que je suis un bon smiter. Ok, j'ai aucune porte de sortie. Tu peux rester sur Kalista, je pense. Je dois back là, absolument. Parce que j'ai l'ulti en fait. Ouais, mais j'ai item jungle, respawn de mes buffs et tout à gérer. Là, c'est. Ah, elle a pas c'est en ce moment, ça va, le problème. Hein. Putain, elle est chaude. Hein. La Kalista ? Non, Jinx, elle est chaude. Ah, c'est une pink. Ok, on a le trait. Je vais aller sur le bleu. Alors, allez, attends. Elle a pas mal joué la Jinx, je trouve. Il y a Nidalee qui vient en renfort, hein, si on pouvait y aller. Pas dégueu, j'arrive aussi en bot Moby. Bien, ça touche. Je vais essayer de coincer Victor. Il y a la TP de Lulu. Oh putain. Victor est bien pause. Non, oh, j'ai sauté. Kennen, il a fait archi mal. J'arrive un tout petit peu late. Oh fuck, une pink. Ouais, la pink, j'ai pas eu le temps de la finir. Oh fuck, je la grid. La grid est la plus totale possible. Oh! Oh! Allez! Oh, mais là, je suis dans la merde. Et le cirque Pinder est en ville. La petite ward au-dessus, salvatrice. Ah tu fais mal mais bon. Ah non mais non la roquette mon putain mon frère je peux pas faire plus de blaze. Je fais les trucs ah, t'as fait les j'ai trucs. Pas de porte de sortie, je reviens, je tente le 1v1, je place le kick sur l'autre pour que les dégâts soient truc. Je le Q spell, il se fait heal par qui? Comment ça? Comme ça Victor il joue avec heal. Oh je suis dégoûté là. J'ai fait la meilleure sortie possible. Ah ouais. Oh, pour oh, moi oh. Je pouvais pas faire mieux. C'était. Je ne veux pas réfléchir à cette opération. Mais voilà. Plus de skill.
Salut Xinzo. Tout d'un coup, tout se calme. Ça va, Xinzo ? Tranquille ? Hein ? Je fais mon bleu, moi. Hein ? Je mets un petit peu de Deep Vision. C'est vrai qu'on a déjà pris la tourbotte en vrai. Oui. Mais t'es plutôt précoce. Mais laisse-moi le targon, con de toi là. Classical. Oh, oh putain, il prend trop cher, Victor. Ah, j'arrive sur Xim. On décale tous là. Vas-y. Il y a Victor. Avec zing 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 zing. Je suis là, hein. j'ai du jump. Shit. Putain. Il doit mourir, merci. Mais tuez les gens. Putain, il allait à gros pas, hein, par contre. Hein. Ouais, c'est pire, après, je pense qu'elle a pas forcément tort. Ça nous de pas y aller trop deep comme j'ai, ça. J'ai pris la tempête, j'ai pris tout le burst de Victor. Oh, le Z. Oh, la spire l'a fait. Ouais, avant, mais cover bien la ligne d'aligne. Ils osent pas avancer, ils savent qu'ils peuvent se manger le spire à tout moment. Moi, je vais aller tanky dans cette game. Dragon devin. On est très yard. On est bien, c'est vrai. Là, je peux aller arriver directement sur la Kalista en Slafa 2. Hein. C'est avec grid l'après-tour. J'ai pas d'ulti, mais j'ai un flash. Osef, vraiment, elle a aucun dégât. Tu peux la trade vraiment à l'infini. T'as des mobis toi ? Ouais, j'ai des mobis. Ok, tranquille. Oh mon, tu gagnes toujours le temps. Ouais, parfait. Là, sûrement son flash, je devais attendre un peu. Et hop, tout tranquille. Ouais, c'est vrai qu'elle fait pas de dégâts. Elle fait zéro. Elle a juste l'extirpation, mais bon, tant qu'elle te stack. Dargo ! Oui, monsieur. Non ! Non ! Oh non ! Fuck ! Le pire truc pour un support. Ah, Nautilus, c'est la merde pour ça. T'as combien de temps, Drake ? Une 34. Pas un truc mid ? Ah. Putain ! Voilà la top. Ouais, faut que j'insec, ça fait très longtemps que j'ai pas joué ici. Top, on y va. Top, y'a un très cher récup. Oh, le double buff, tu le vois ? Tu vois, je le vois, il va être pour moi, je pense. Je voulais vraiment pas le tuer, mais... Bah, t'as bien fait. T'as donné double assist, viens, on va chercher Xinzao. Peut-être le Victor. J'ai ulti dans 10 secondes. 10. Ça pue un peu, hein. Oh, il était là. Oh. Il faut que je le kiffe, parce qu'il va me défoncer. Il me def, le Xin. Vas-y, tu peux go, il y a lead. Je pense que t'as eu le bon focus, mais pas été follow. Respire, nice ça. Putain, je me fais trop def par Xin, il fait trop mal. Il fait mal, hein. Ouais, Xin, ça se découpe. C'est vraiment le jungler que je conseille, quoi. Tout, ouais. Tout personne de, qui est pas expert dans la jungle, parce que quand t'es expert, c'est vrai que Xao c'est limité. Mais toute personne qui, tu vois, t'es pas un main jungler, Xao ça a aucun skill shot, ça se débrouille très bien au niveau du clear des camps. Mécaniquement, c'est très simple. Putain, tu t'es pas fait interrompre. Non. J'avais pourtant, genre, t'étais pas dans un bush. T'étais pas caché. J'avais débordé avant. Y'a le dragon. Ouais, c'est sûr parce que Mitz a besoin d'aide. Mitz a besoin d'aide. Ah, le lancer de trèche olympique. Ouais, là, ça part le flash, toi. Ça part deux kills. Oh, bah, go dragon. Allons-y. Allons-y les amis. Après il faudrait que je smite rouge en fait le Xin quand il me go. Et j'avoue que j'ai pas eu le réflexe. Victor, je zone. Hein. Ouais zone. Normalement je suis bon au smite. Y'a plus de Z de Victor, de champ gravitationnel. Bon ouais, y'avait qu'une aide, je pense que ça sert à rien d'y aller. Il faut que je régène. Pas d'ulti. Ils ont ping wardé au-dessus, faut que j'aille choper ça. Je change mon trinket. Ok, il y a une ward chez nous. Oh, j'ai pris un champ gravitationnel. Solide.
J'ai l'ulti, je peux pas full vie. Ouais, victoire là, un peu. Hein. Fresh. Mettre un peu de pression. C'est juste la pink ward qu'ils veulent. Oh là là. La pink ward est à nous, putain! On a gagné la guerre. Voilà! Il y a un raid. Un petit raid buff aussi. Et maintenant je reste dans ce bush parce que c'est. Oh! Ah, merci. Ah, y'a un mec derrière moi. Hey, j'ai un spot de farm, Dogby, putain, c'est trop bien! Ils posent des wards, les mecs. Tu vas aller sur Kennen, c'est ça? Ouais, je me suis dit s'il y avait une occasion. Oh, y'a du monde, y'a du monde. Chaud? Ouais, je pense qu'on devrait replier, on a pas de Jinx. J'ai demain une escape. Ouais, c'est bon. Y'a Lulu. Ouais. Il y a notre bluff, tiens, il y a le bleu Nidalee. Nida. C'est important sur Nidalee. Elle a fait quoi comme stuff? Elle a fait de la mana ou pas? Elle a vite fait Morello. Je sais pas, parce que on a gagné la guerre de vision. La guerre de la vision. Ah, je suis pas level 9 encore. C'est relou! C'est relou! Drake 4, 14, on est tranquille. Là, faut faire des catch, faut qu'on continue de les aveugler. Je vais acheter. Alors, est-ce que nous avons des toiles vulnérables? Middle, elle a pris cher un peu. Pink Ward aussi. Middle elle a pris cher. T2 ? Ouais, la T2 elle a pris cher. Elle a mis life. Kalista. Kalista. Kalista qui go bot. Kalista. Oh, Kalista. Ok, regroup, guys. Now. Parfait. Oh là là, il y a du monde bottom. Change de trinket, on prend une pink war parce que là ça va être la guerre de la vision. Attendez, hein. Wait. Ok, bon, notre composition elle est très simple. Faut pile. Parce qu'on a Jinx et Nidalee derrière qui vont envoyer de la sauce. Ouais. On a moi et Twixu qui vont être les deux mecs qui vont devoir mourir finalement. Enfin, s'il y a des morts à avoir dans l'équipe, c'est nous deux. Et ça veut dire que derrière ils pourront free DPS. Et normalement, en termes de damage, si tout se passe bien, oui. Vu des stuff, vu de l'avance qu'on a. Elle a pris un très mauvais hook. Voilà. Le problème c'est que ça se passe mal au niveau de l'engage. Elle a pris un bolos switch. Tu m'abandonnes? Je m'engage. Je zone les mecs, mais. Mais oui, il m'abandonne arche. Je les défonce, moi tous. Regarde lui, ça touche aussi. J'ai fraîche. Et oui, c'est tranquille, les gars. C'est tranquille. Faut pas fier. Vas-y, je suis sur l'or bleu. Il me fait un petit peu peur. C'est vrai qu'il est très safe, hein. On sent le mec, il est très très safe. Ouais. Il joue bien, mais c'est juste qu'il. C'est un reckless quoi, il veut. Il fait gaffe au KDR. Prend toujours un peu plus de vision. C'est ça qui nous fera win vraiment la partie. Hein. Définitivement. T'inquiète. Peut-être qu'il puisse rien voir. Je. B. Je B, Drake quoi deux minutes. 2 minutes, Drake. On est large. Archi large. Bah là on peut retenter un catch vers le bot side. Take, control, jungle, bot side, regroup. Toujours. Là dans ces moments là, quand vous êtes dans cette situation, pensez à une chose, c'est regroupe en permanence. Indeed. Regroupe et waouh bordel. Voilà, et bougez ensemble en fait, bougez ensemble. Parce que si l'équipe adverse bouge ensemble, vous gagnez en 5v5, s'ils sont pas ensemble, vous allez catch et pouvoir valider des vrais objectifs. Alors que là, bah, si vous êtes chacun de votre côté, tout le monde va farmer de votre côté très bien, mais tout le monde va farmer du côté adverse très bien, donc ça sert à rien. Donc là, regroupement incoming. Alors, il vaudrait mieux continuer de garder la zone ici pour valider le Drake dans 2 minutes. On peut tellement mettre aussi de la pression qu'on peut... Tu vois, je vois le Victor là. Le Thresh. Ouais, j'y vais. Voilà, il a plus de flash, tu vois. Un flash comme ça, ça te coûte une ward. 75 PO le flash. Oh, ce qu'a mis la Jinx. Donc là, c'est bien. Là, on est dans une position de siège alors qu'on a une Nidalee qui est sur feed. On peut faire une rotate top easy shit là. Vas-y, je prends de la vision. C'est un bon call ça. Parce que plus vous apportez du mouvement, plus l'équipe adverse est capable de faire une erreur. Regardez, genre ça là. Oh mon écran, il s'est freeze mon gars. T'as fait quoi? La vie de ma mère que. Hey, je mytho pas, vous l'avez vu? J'ai, au moment où je m'active le Q, j'ai stress ult. Mais tant mieux, tu vois, genre j'ai juste perdu mon ulti, mais je le mis très cher. Go dragon! Mais genre j'ai failli mourir. Mon écran il a stoppé de bouger. Ça le fait de temps en temps.
C'est pas très rassurant tout ça. Pas très bon. Il va y aller pour son targon. Oula. Oh. Ça c'est un script hein. Oh putain Thresh. Surtout quand tu joues Lee Sin et que tu vas, t'envoies l'insec, c'est d'avoir ce petit moment de crise, ouais. C'est genre... Le, au pire des moments. Oui. Ça t'arrive souvent toi. Toujours freeze au pire des moments. Ouais, je suis assez... Ouais. Assez malchanceux sur ça. Il y a Victor là. Miam. Ping pong dans le coin. Alors, est-ce qu'il va avoir... Moi c'est pour ça que j'adore jouer jungle, je sais pas ce que t'en penses, mais d'avoir le contrôle des Drake, oh my god, ça fait tellement gagner des games. Et quand j'étais jungler, bah t'as la maîtrise là-dessus, regardez les mecs qui viennent se suicide. Allez hop, le Q-spell qui touche. C'est pas terminé, hein, c'est pas terminé. Oh fuck. Il a déjà son truc amélioré quoi. Vas-y, faut qu'on trouve un catch. Bon, go baron, je suis un ouf moi au niveau du call là. On avait grave le temps en fait. Oui. Du coup, ils ont bien fait de faire au moins un truc d'aller tes deux bots. Mais non, on peut tellement baron. On peut toujours. Hein. Toujours sauf si ça vient pas. Y'a red buff. Y'a red. Ouais, on prend full vision aussi. Si j'ai une ping, je sais pas si tu veux que la pose. Mais... Si t'as envie d'une ping quelque part, tu me demandes. Je vais mettre là. Ici. Oh. Ok, bon, on peut baron direct. Hein. On peut attendre Xin quand il va taper la ping ici. Ok, vas-y. Ah oh, oui, il vient. Non, il passe en dessous. Attends. Tant mieux. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous n'avez plus de flash. Vous êtes bienvenue. Allez, bah on a char. Tranquille. Ah bah non, ça va continuer, ça va finir la game. Bonjour. Bah, on continue alors. Allez, go baron. Bonjour. Donc ça, c'est le call classical. Hein. Et c'est pour ça que je vous dis que le contrôle map, c'est important, c'est ce qui nous fait gagner la game définitivement. C'est qu'en face, ils sont aveuglés. Et vous avez été dans cette situation où vous pouvez rien faire parce que vous pouvez rien voir. Et nous, on est tranquille, on les voit venir. Regardez d'où. De leur base, les mecs peuvent juste pas jouer, en fait. Bonjour. J'étais assez bon au smite sur cette game, je suis assez satisfait. Ouais. Les dragons sont à nous. Les dragons sont à nous, les barons aussi du coup. Ah, c'est une bonne game ça vraiment. Can we end this fast, I have to go. On est à 24 minutes poteau. Ça va? Non? Cette game va assez vite pour toi. Hésite à ça. Il a raison. Ouais. Le mec il reçoit une game alors qu'il... quoi c'est... 24 minutes, moi je me plains pas. Hein. Perso, on peut refaire une. Allez, go. On lead! To the middle lane! Oh, le bœuf bleu! Go middle lane! Ah! Ah, tu veux trouver quelque chose? Il est parti à la pêche! Un Killen qui a pas Zhonya! Boom! Est-ce qu'il va Zhonya? Ben. Ah, il a eu le temps de Zhonya. Mais ça ne changera rien à son destin. Oh! Ok. Elle a failli sauter. Je vais go hein. Et je me replie. Kalista, c'est lock. Ah bon. Ta-da-da, 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 ta-da-da. Quoi. Oh merde. Lancer d'encre. Touché. Coulé. Bon bah... Il a toujours pas ulti lui hein, par contre. Victor, il va pas revenir. Il a envie. Hey bah voilà. C'est comme ça que ça se passe en duo. Unranked to Diamond. Pour l'instant, full victoire en duo. Les premiers points marqués en diamant. En compagnie de Twixu, on va voir combien on prend, parce que c'est vrai qu'on a fait quand même 2-3 défaites, parce qu'on se marrait un petit peu dès qu'on avait accompli la plus dure tâche de passer diamant, et on prend du plus 16, donc ça reste extrêmement correct, Twixu qui, voilà, qui fête sa victoire. On va voir qui a eu la meilleure note entre nous, c'est marrant maintenant avec ce système, j'ai eu S-, ce qui est normalement pas mal. Je pense que j'ai moins. Non, je pense que tu as S-, pareil. Putain. Bah, comme quoi on a fait une belle game tous les deux, on était là. On a été présents, 3-3-12, le score de Twixu qui est quand même très honorable. 7-3-12 pour moi, 12-6 de chaque les côté. Les dégâts maintenant, on va voir. T'as fait les dégâts? Normalement, je suis peut-être pas top damage, mais je dois être présent. T'es bien, je suis présent. T'es bien, t'avais des trucs.
il avait des trucs. Et toi, t'as aussi, tanké. T'as fait plus que la Lulu top lane. C'est étonnant, ça. Ouais, c'est un peu étonnant. C'est un peu étonnant. J'ai pas envie d'alerter quoi que ce soit, mais je trouve ça un peu bizarre. Non, mais c'était pas mal. C'était pas mal. Plus 16, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça que ça va se passer aussi dans quelques instants pour vous qui êtes en live ou qui êtes sur YouTube. Bah, n'hésitez pas à aller checker les réseaux sociaux si vous voulez savoir quand on est en live, si vous voulez avoir des informations, parce qu'on ne fait pas que ça. On ne fait pas que du gameplay. On présente aussi des compétitions, etc. D'ailleurs, bah voilà, on a l'un des meilleurs commentateurs de France qui est avec moi. Twixou, combien de temps que tu fais ça? 4 ans, 5 ans? Depuis, ouais, 4 ans. Ça fait longtemps qu'on était les, je crois, les deux premiers commentateurs français, les deux premiers OLCA à commenter une game LCS. Si je dis pas de bêtises. Non, parce qu'on avait fait Millennium. Non, on avait fait la première game de la saison 1. Oui, donc c'est vrai. Logiquement, on a fait la première game qui a existé au monde des LCS. Ouais, mais il y a d'autres mecs qui ont fait cette game. Mais on est. On... Ouais, non, ça raison, t'as raison, t'as raison. Juste le dire qu'à ce moment-là, on était aussi là, tu vois. Voilà, donc on est les premiers casters LCS français. Du monde. Et en tout cas, on était en binôme tous les deux. C'est pas genre c'est chacun de notre côté. C'est que, voilà. Et on était dans l'appart de Khazar. Ça va pas se dire. On se faisait des doses. Ouais, voilà. Et pourtant, ça s'était pas vu. On avait été. Non, c'est vrai. Et franchement, c'était chaud. C'était chaud. Il y a 3 ans, ça devait être 3-4 ans, je ne sais même plus. Ça remonte très longtemps. Donc, TwigZilla sur Facebook, TwigZilla sur Twitter. DwagB, vous me connaissez, hein, les réseaux, vous pouvez trouver dans la description. On fait de gros bisous et on vous dit bah, à demain pour la suite hein, de la Duo Q. Bisous, bisous.